Attends, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment bien faire son choix. Comment bien choisir son homme. Oui, c'est très important. Mais avant même de commencer le faramponnement, avant même de commencer le faracassement, il faut que je fasse ma pub. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait ma pub. Mes chéris, on est en été. On est en été. C'est bientôt les bons moments. C'est-à-dire que c'est bientôt le beau jour. Là, il fait plus froid. Là, c'est-à-dire que là, on porte plus de manteau. Là, on se cache plus. On se couvre plus en bas d'un manteau, d'une veste. Donc, il est temps qu'on prenne soin de soi. Il est temps que les kilos que tu as pris, tu les perdes. Il est temps que la façon de te sentir fatiguée, fainéante, il est temps que tout ça, ça prenne fin, ma chérie. Viens prendre ton kit, mes soeurs. Viens prendre ton kit, mes soeurs, ma chérie. Oui, c'est important. Tu vas prendre la tisane. Voilà ça. Tu vois la tisane? Voilà ça. Tu vas prendre ça. Tu vas mettre dans de l'eau. Voilà. Et tu vas boire. C'est ce que ta coach boit tous les jours. On dit, oh, ouais, bois la liqueur. Je dis, non, moi, je ne bois pas la liqueur. On dit, bois la bière. Je dis, moi, je ne bois pas la bière. Moi, je bois que du champagne. Mais quand je suis en direct, je ne bois pas du champagne. Oui, c'est important. Qui sonne là? C'est important. Donc, venez prendre votre tisane. Et il y a aussi les gélules. Oui, les gélules. Parce que quand tu as un gros ventre devant toi, ou bien même tu es trop en forme, tu ne sais pas comment faire. Voilà. Excusez-moi. C'est bon, tu fermes la porte? Donc, voilà. C'est-à-dire que toi, une femme même, il faut que tu... Marvin, tu fermes la porte, s'il te plaît, ça me dérange. Attends. Vous voyez les choses comme ça? Excusez-moi. C'est bon. Toujours quand je suis en direct, c'est là tes amis là vont venir. Et alors? C'est quelle amitié? Toi, tu vas jamais chez eux. C'est seulement ils viennent chez toi. Oui, c'est important. Oui, voilà, attendez, il a bloqué ça. Voilà. Oui, tu prends tes gélules, c'est-à-dire que tu prends deux gélules avant de manger. Avant chaque repas, tu prends deux gélules. Ça va te dégraisser en plus de la tisane. C'est très important. C'est très important, mes amours. Et il y a aussi les protéines. Les protéines, en fait... Ça, quand tu fais, parce que quand tu prends du poids, c'est-à-dire que quand tu grossis beaucoup, tu fais de la rétention d'eau. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dans ton corps. Donc, ça veut dire que dans ton régime que tu vas suivre, tu vas prendre aussi les protéines. Les protéines, tu vas prendre ça au coucher. Et donc, ça va absorber l'eau. L'eau qui est en toi, c'est-à-dire que parce que tu es gonflé, donc ça va absorber l'eau et tu vas rétrécir. Et en même temps, ça va te raffermir. Parce que moi, je dis toi, une femme même, oui, je le laisse. Il va me donner une tension, il va me donner une palpitation. C'est-à-dire que toi, une femme même, ne te dis pas que quand ta peau est flasque, ploco, faut pas penser que c'est ce qui est bon. Non, parce que toi, une femme même, quand tu laisses ta peau ploco, ça te fait vieillir, oui. Ça te fait vieillir, voilà. Donc toi, une femme, quand tu es en train de suivre un régime, il faut que tu prennes tes protéines pour que ça absorbe l'eau et ça te raffermit. C'est-à-dire que quand ça te raffermit, tu as la peau ferme. Ça fait que ça t'évite de l'effet yo-yo, ça t'évite de grossir encore. Et puis tu restes bien fraîche, bien jeune, bien belle. C'est important. Qui n'a pas envie de rester jeune? Qui n'a pas envie de rester jeune? C'est-à-dire que l'âge, là, c'est dans la tête. Mais toi, une femme même, tu dois t'entretenir de telle sorte que tu aies toujours l'air jeune, l'air frais. Parce que quand tu aimes les accessoires, quand tu aimes te rendre belle, quand tu aimes te rendre chic, il faut que tu aies une forme comme ça. Quand tu portes tes habits, tu es à l'aise dedans. Tout ça, là, venez prendre vos compléments alimentaires, mes chéris. Oui. Alors, pour commander vos produits, merci de me contacter au 00-337-55-13-88-85. Je répète, le 00-337-55-13-88-85. Ça, c'est mon contact. Mais attendez que je termine le direct et vous commencez à me joindre. Donc, comment choisir son homme? Vous savez,
J'ai coaché une jeune dame, c'est elle qui m'a inspirée. J'ai coaché une jeune dame qui a ce problème-là. Ça veut dire qu'elle est aujourd'hui dans une relation. C'est un début de relation, hein. C'est pas vraiment une relation. Et en fait, le mec, elle ne l'aime pas. Ça veut dire qu'elle ne l'aime pas encore. Ça, c'est pas un problème. Ça veut dire qu'il ne l'attire même pas. Ça veut dire que quand elle est avec le mec, il ne se passe rien. Rien du tout. Elle n'est pas attirée. Le mec ne lui plaît pas. Et c'est ce qui fait que le mec, quand il est là, elle est toujours de mauvaise humeur. Elle n'est pas contente. C'est-à-dire que tout ce que le mec dit, ça l'énerve. Vous comprenez un peu. Mais le mec, il veut la marier. C'est-à-dire qu'ils viennent de se connaître, le mec, il veut la marier. Elle, en fait, elle se dit, ah, mais le gars, il ne me plaît pas. Et puis, il ne m'attire pas. Et puis, quand je suis avec lui là-même, là, ça ne me plaît pas. Voilà. Et puis, quand on mougou là aussi, là, le mougouli, là, n'est pas bon. C'est un faux mougouli. C'est-à-dire qu'il a kikinette. Et puis, quand il mougou aussi, là, c'est bizarre. Donc, c'est-à-dire que tout en lui-même, là, ça ne me plaît pas. Et puis ma maman dit d'accepter, parce qu'il veut me marier, ma maman dit d'accepter. En tant que je suis jeune, j'ai 25 ans, donc qu'est-ce que je fais? Non, elle a 24 ans, qu'est-ce que je fais? Et donc sa maman lui a dit, faut le marier, faut accepter de le marier. Tu es ma première fille, tu comprends? Tu es ma première fille, le monsieur il est gentil. Donc s'il veut te marier, il faut accepter. Tu dis oui, il ne te plaît pas, c'est quoi qu'il ne te plaît pas? Tu dis, son mougouli est nul. Ou bien même, il ne t'attire pas, c'est quoi? Faut aller te marier là-bas, le plus important, il t'aime, faut te marier. Donc, elle est rentrée en contact avec moi pour que je la coach, parce qu'elle n'était pas bien. Je lui ai dit, fais très attention. Je lui ai dit, fais très attention, vous savez? Parce que quand tu acceptes de marier un homme, de te marier avec un homme que tu n'aimes pas, mais même si tu n'aimes pas, même si tu ne l'aimes pas, que lui, il t'aime. Encore ça va, c'est-à-dire que dans une relation amoureuse, l'homme il doit t'aimer plus que toi tu l'aimes, c'est ça. Parce que quand tu es dans ta relation, quand tu es dans ton mariage, que l'homme il t'aime plus, cet homme-là il devient attentionné. Cet homme-là il te traite comme une reine, il te traite comme une déesse. Et donc tu es valorisé dans ton foyer. Et le fait même d'être valorisé dans ton foyer, en fait tu te sens bien. Tu as de l'oxygène en toi et tu te sens fatal. Parce que tu es avec quelqu'un qui a une façon de te traiter comme une reine. Donc c'est aussi bien, mais... Il faut que la personne t'attire un peu. Il faut que la personne te plaise un peu. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas, mais il te plaît. Voilà. Ça veut dire que sa compagnie ne t'énerve pas. Quand il est avec toi, ça ne t'énerve pas. Quand c'est comme ça, là, tu peux rester avec lui. Tu peux rester avec lui. Tu peux le marier parce qu'il te plaît. Parce qu'un homme même qui te plaît à la base, mais que tu n'aimes pas, mais qui lui t'aime, très bien. Cet homme-là, quand tu te mets avec lui, le fait de bien te traiter, ça fait que l'amour naît. Ça fait que tu apprends à le connaître. Il y a des gens qui disent, mais on ne peut pas apprendre à aimer une personne. Il y a des personnes qui disent, on ne peut pas apprendre à aimer une personne. Ça me fait rire. Vous comprenez, vous savez, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu dis ça, les jeunes de 20 ans, 25 ans, 19 ans te diront, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment même se mettre avec un homme qu'on n'aime pas, mais qui nous plaît? Ah non, l'amour doit être réciproque. Si même à la folie, je dois l'aimer à la folie. Bon, là, je n'ai pas besoin de trop discuter parce qu'elles sont jeunes. Parce que quand quelqu'un est jeune, ça ne sert à rien de rentrer dans une discussion parce qu'elle ne comprendra pas. Elle est encore naïve. C'est-à-dire qu'elle est encore dans les rêves. Elle est encore dans son amour collège, amour lycée. Donc, elle croit à l'amour parfait. Elle regarde trop les dessins animés. Voilà. Donc, une personne comme ça ne discute pas trop avec elle. Il faut la laisser. Quand, d'ici 5 ans, d'ici 6 ans, elle va comprendre pourquoi est-ce que tu disais ça. Vous comprenez un peu? Oui. Oui, c'est important. Et donc, tu ne peux pas te mettre... C'est-à-dire que quand tu te mets avec un homme comme ça, c'est sa façon de te traiter qui fait que tu te dis, mais attends, il me plaît, mais il a une façon de me prendre, il a une façon de me valoriser, il a une façon de me traiter, mais je suis tellement heureuse. Et c'est comme ça que tu aimes l'homme. C'est comme ça que tu apprends à aimer un homme. C'est-à-dire qu'un homme qui, à la base, que tu n'aimais pas, mais qui te plaisait, cet homme-là, quand tu te maries avec lui, il va tellement bien te traiter, forcément, tu vas apprendre à l'aimer. Et l'amour comme ça, c'est un amour qui dure. C'est-à-dire c'est un amour qui est mature. Donc, parce que tu as appris à l'aimer. Tu l'aimes parce qu'il a posé des actes. Tu l'aimes parce qu'il a prouvé. Tu l'aimes parce qu'en fait, il a mérité cet amour-là. Et cet amour-là, elle est mature. Un amour. Cet amour-là, il est mature. Elle est mature. Il est mature. Oui, c'est important. Vous comprenez? Parce que vous savez, quand toi, une fille même, tu te mets, tu te jettes dans la gueule du loup, parce qu'on appelle ça la gueule du loup, vous savez,
Il y a vos grandes soeurs aujourd'hui qui sont dans le regret. Il y a vos mamans aujourd'hui qui sont dans le regret. Qui, elles, ont pensé que, oui, parce que le monsieur a l'argent, oui, parce que le monsieur s'en sort bien, parce que le monsieur a acheté une voiture ou le monsieur a acheté un terrain, elles se lèvent, elles vont se marier. Et quand elles sont dans le mariage, elles sont malheureuses. Parce que c'est ça, vous savez, quand une personne même ne te plaît pas du tout, quand une personne ne te plaît pas du tout, quand une personne ne t'attire même pas, et puis tu vas te marier avec elle là. C'est-à-dire, si elle veut même là, elle va te donner même avion, jet privé. Si elle vient à te donner même la dernière voiture, c'est-à-dire que même la dernière Ferrari, la dernière Mercedes, c'est-à-dire que tu roules dans la Mercedes, tu es dans la Ferrari, mais tu es terne. C'est-à-dire que tu es malheureuse. Parce que, oui, c'est quand tu es dans cette Ferrari-là que tu es heureuse. Mais après là, tu rentres à la maison. Après là, tu partages ton intimité avec lui. Ça veut dire qu'il va te toucher. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas te marier à un homme que tu n'aimes pas, qui ne t'attire pas du tout. Tu te maries avec lui juste parce qu'il a beaucoup d'argent, juste parce qu'il te comble, il te donne beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Tu te dis que oui, bon, de toute façon, l'argent, hein, moi, tant que j'ai l'argent, tant qu'il me donne beaucoup d'argent, tant que j'ai toutes les voitures que je veux, moi, ça me suffit, hein, le reste, je m'en fous. Non, c'est dangereux. Parce que là, tu n'es pas en train de vivre. Tu n'es pas en train de vivre, ma chérie, tu es en train de traverser la vie. Tu es en train de traverser la vie. Et le fait même d'être avec ce genre d'homme-là, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu commences à avoir un sale comportement. Le sale comportement, c'est quoi? C'est l'infidélité. C'est-à-dire que tu rentres d'infidélité en infidélité. Et tu n'es plus satisfaite. Et en fait, tu es tellement en manque de quelque chose que ça fait que tu es tout le temps dehors. Tu es tout le temps avec un autre homme dehors. Et demain, quand on apprend ou bien on découvre que tu es en train de tromper ton mari, on dit, mais ça, c'est quelle femme ça? Ça, c'est une femme maudite. Elle est maudite. Comment elle peut aller tromper son mari? Oui, parce qu'elle s'est mise avec lui juste pour les intérêts, juste pour le matériel. Voilà. Sauf que le matériel, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme qui te plaît un peu, mais que tu n'aimes pas, et que cet homme-là te marie, cet homme-là te comble tellement que tu commences à l'aimer. Oui, parce qu'il te plaît un peu. Et donc, quand tu le regardes, en fait, tu le vois autrement. Quand tu le regardes, sa façon même de te traiter, quand tu le regardes, tu es tellement contente qu'il y a l'amour qui naît. Voilà, il y a l'amour qui naît. Vous savez, moi je dis toujours à mes jeunes sœurs, hein, je dis faites très attention. Moi je dis quand tu rencontres un homme, c'est-à-dire que quand tu es en début de relation avec un homme et que cet homme-là, tout de suite, il veut te marier, ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de rapport, il n'y a pas encore eu de relation sexuelle, il veut te marier et tout. Toi, tu es contente, tu dis oui, il veut me marier, il est pressé de me marier. Moi, je dis fais très attention. Un homme même que tu viens de rencontrer, ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait trois mois, qui veut te marier tout de suite, ça, c'est dangereux. Qui insiste, c'est dangereux. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est dangereux. Parce qu'il est pressé, pourquoi? Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes, en fait, ils viennent de te rencontrer, mais ils sont insistants. C'est-à-dire qu'ils veulent te marier. Quand tu leur dis non, on vient de se connaître, on va s'étudier un peu. Ils se disent non, pourquoi on va s'étudier? Moi, je suis sûr de mon choix. Je dis, je veux te marier. Oui, je veux te marier. Je vais aller donner la cola. Je vais aller donner la boisson tout de suite à ta famille. Je te marie. Et toi, la femme, en fait, tes parents, malheureusement, vont te dire, mais il faut accepter. Faut accepter. Toi, tu as la chance, tu es avec un homme qui, tout de suite, qui vient de te connaître, qui est sérieux, qui veut te marier, et puis tu ne veux pas accepter. Pourquoi tu es bête comme ça? Hein? Les garçons qu'il n'y a pas là, il faut accepter. Et tu acceptes malheureusement. Mais quand tu acceptes malheureusement là, ma chérie, quand tu te retrouves dans le foyer là, c'est là que tu vois le vrai côté de cet homme là. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme même qui est pressé de marier une personne, un homme qui insiste pour te marier, ça veut dire que hein, cet homme là, il cache beaucoup de secrets. C'est-à-dire qu'il cache beaucoup de défauts. Il a beaucoup de défauts qu'il cache. Puisque il n'a pas envie de te montrer ça avant le mariage. Parce que s'il te montre ça avant le mariage, tu ne vas pas accepter. Donc, il fait genre, il est trop dans l'abstinence. Oui, ça c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. C'est qu'un garçon qui dit, oui, moi en tout cas, je ne veux pas de rapport, mais je veux te marier tout de suite. Ça, c'est, on appelle ça malhonnêteté. C'est-à-dire que ce garçon lui-même, il sait qu'il n'a pas confiance en lui. Garçon lui-même, il sait que côté Mougouli, là, il a un problème. Il a un gros problème. Donc, il te marie tout de suite. Quand il te marie, tu es condamné. Quand il te marie, là, tu es condamné. Mon cher. Il y a quelqu'un qui a mis ça dépend. Ça dépend de quoi?
Ça dépend de quoi? Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, bon, peut-être que ta religion ne permet pas que tu aies des rapports avant le mariage. C'est ton choix. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, chacun, la vie, c'est un choix. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais si c'est ta religion qui dit que faut pas mougou avant le mariage, là, il n'y a pas de problème. Mais le gars, là, quand vous voyez, là, vous devez flirter ensemble. Vous devez flirter ensemble. Ça veut dire que tu dois le tester. Quand on dit de tester un homme, ça ne veut pas dire que vous allez moukou. Mais quand on dit de tester un homme, ça veut dire que tu flirtes un peu avec cet homme-là. C'est-à-dire que vous vous embrassez un peu, vous vous caressez un peu. Et quand tu es en train de l'embrasser, tu es en train de le caresser, ta main va un peu entre ses jambes pour voir ce qu'il y a là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour voir ce qu'il y a là-bas. Parce qu'un homme même, ça veut dire que quand vous commencez à vous caresser, quand vous commencez à flirter, c'est un homme. Ça va se lever. En bas, là, va se lever. Ça va devenir dur. Oui. Ça va devenir très dur. Mais quand c'est dur, là, quand toi-même, tu glisses ta main là-bas, là, tu vas savoir si c'est kikinette ou bien si c'est carrément cimetière, tu vas savoir. Voilà. Au moins, tu es informé. Moi, je dis, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous savez, moi, je dis aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'AVC? Pourquoi il y a beaucoup de morts d'AVC? Parce qu'on est dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, on est dans l'hypocrisie. On est en train de se mentir. En fait, on est sur une logique qui n'est pas fondée. Et on est sur une logique, en fait, qui est invivable. Voilà, on te dira, ben, le sexe, c'est quoi? C'est pas important. C'est pas important. Même s'il est impuissant. Ou bien même s'il n'arrive pas à te satisfaire, c'est pas ça le plus important. Hé! Hey! Qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Le sexe. Le sexe est important. Le sexe est très important. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un homme d'être Rocco Siffredi. Non. On ne demande pas à un homme de savoir faire l'amour. Parce que ça, là, ça va s'apprendre après. Ça, là, toi-même, tu vas lui montrer après. Mais j'ai dit, on demande à un homme d'avoir la base. La base, c'est quoi? C'est que. Oui, voilà, voilà quelqu'un qui dit tu bois du whisky. Il y a de bloquer tout de suite là. Voilà, attendez, j'ai bloqué ça. Des poivres comme ça. Il y a bloqué ça, des poivres comme ça. Carrément, va chercher du boulot. Ce que je suis en train de faire là, tu penses que c'est quoi? Poivre. Toi, tu fais ton boulot là, tu gagnes combien par mois? Vraiment des poivres. Et puis, c'est toujours des poivres qui viennent dire va chercher du boulot. En tant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas travaillé. Ils se disent que. C'est les dormeurs dans le salon, les à la fin du mois sans salaire. C'est-à-dire que quand toi-même, tu regardes la qualité de la femme même qui est en train de parler, tu penses qu'elle ne travaille pas. Si elle ne travaille pas, elle va être brillante comme ça, elle va avoir les accessoires comme ça. Hein? Allez, Ousta, les Yougos. Oui, c'est ça. Donc, il faut le tester. Il faut le tester. Il faut toujours tester. Voilà, la religion dit, ne n'est pas mougou avant le mariage. Mais la religion n'a pas dit, ne n'est pas lové avant le mariage. Oui, toi aussi. Tu vas acheter une voiture, tu ne testes même pas la voiture, et puis tu achètes la voiture. Et si tu montes dans la voiture, que la voiture va te tuer. Si tu montes dans la voiture, que le moteur n'est pas bon. Ou bien que la voiture est nerveuse, le moteur est nerveux, tu fais comment? Attends, peut-être que toi, ta formation que tu as suivie, c'est-à-dire que ton auto-école que tu as fait, ou bien ton permis que tu as eu là, c'est un permis automatique. Ça veut dire que ce n'est pas un permis manuel. Toi, c'est la voiture auto seulement, tu roules. Bon, tu as vu une voiture, tu dis la voiture est belle. On te dit, ah, elle fait comme telle euro. Tiens! Je veux la voiture. Tu montes dans la voiture, c'est une voiture manuelle. Tu montes, ça fait tiens, tiens, tiens. Entends-toi, tu as eu permis de auto. On n'a qu'à se dire la vérité. Tout se teste. Tout se teste. Oui, tout se teste. Tu ne vas pas rentrer dans quelque chose, tu ne sais pas. Donc, c'est-à-dire que toi-même, parce qu'il faut se marier, parce que c'est ça, vous savez. Il faut se marier. Il faut se marier. Oui, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, ce n'est pas toutes les mères qui sont bonnes conseillères. Oui, tu ne sais pas comment faire pour me parler, ma chérie. Pour moi, mes conseils personnels sont payants. C'est-à-dire que mon entretien privé, c'est payant. Mes coachings personnels sont payants. Ce n'est pas gratuit. Le gratos, c'est ce que je suis en train de faire là. Mais quand je finis là, si tu veux m'exposer ton problème, tu payes mon langue et puis je te coach. Oui. Oui. Tu ne veux pas me dire quelque chose, tu ne testes pas. Tu vas aller te marier à un homme. Déjà, même l'homme, même à la base, mais il ne te plaît pas. Lui-même, la main à la base, il ne te plaît pas. Sa façon d'être là même ne te plaît pas. Et puis, tu n'as pas testé pour voir ce qu'il y a dedans. Tu te lèves, tu t'en te marier. Tu vas te retrouver dans le foyer, ça là. Ma chérie, c'est une souffrance même, tu vas vivre dans le foyer là. Toi-même, tu ne vas pas. Toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu vas devenir dépressive. Oui, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, parfois, il faut écouter ses parents. Parfois, il ne faut pas écouter ses parents. Oui, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez,
Oui, je dis, vous savez, hein, les mamans, parce qu'on dit les mamans, il faut écouter les mamans, mais vous savez, il y a des mamans qui sont mauvaises conseillères, il y a des mamans qui sont maladroites, il y a des mamans, en fait, si vous voulez, qui n'ont pas fait le bon choix durant toute leur vie. C'est-à-dire que toute leur vie, elles sont restées là à faire des faux choix. Elles sont restées là avec des passionnés. Elles sont restées là à toujours choisir le mauvais. Et donc, cette maman-là, aujourd'hui, quand tu grandis, elle, quand elle te donne des conseils, elle veut que tu reproduises sa bêtise. C'est-à-dire qu'elle veut que tu te comportes comme elle s'est comportée. Elle, de la manière, n'a pas fait le bon choix. Et puis, elle est restée dans un foyer, elle a souffert dans ce foyer, elle est en train de mourir à petit feu, là. Elle veut que toi, tu te comportes comme ça. Donc, faites attention. C'est pas parce qu'on dit maman que la maman dit toujours la vérité. C'est pas parce que c'est ta maman. Si toi-même, tu sais qu'un homme même qui veut te marier, tu sais, toi-même, tu vois l'homme, il ne t'attire pas. Tu vois l'homme, il ne te plaît pas. Ta maman va te dire, oui, moi, en tout cas, tu es ma première fille. Il faut te marier. Comme ça, les gens vont me respecter. N'importe quoi. N'importe quoi. Chacun a sa vie, hein. Chacun a sa vie. Ça veut dire que ça, chacun est en train de vivre sa vie. Ma maman, tu as vécu ta vie. Mais je suis en train de vivre ma vie. Donc, je ne veux pas rentrer dans un mariage pour toi te faire plaisir. Et puis, je suis en train de souffrir. Parce que quand j'ai grandi auprès de toi, j'ai vu comment tu étais malheureuse. Oui, attendez, il a bloqué ça. Merci. Quand vous mettez les têtes de mort comme ça me montre les faux commentaires. Et puis, je bloque. Et puis, je bloque. Donc, les faux commentaires, mettez les têtes de mort sur le commentaire. Et puis, moi, je bloque. Oui, fais très attention. Et donc, toi, une femme même, ça dit, tu écoutes ta maman, oui, il faut te marier. Il faut le prendre. Il est gentil. Oh. Quand il vient là, il nous donne sac de riz. Quand il vient là, il nous donne beaucoup d'argent. Oui, ça, c'est la pauvreté. Voilà, c'est la pauvreté. Ça dit que quand on est dans une famille très, très pauvre, que les parents, ils pensent que tu es leur cocotte, leur champ de cacao, leur champ de manioc, ils ont une façon de faire les choses là. Ça dit qu'ils te mettent. Il te met dans un faux mariage où toi-même, le monsieur, même, il ne t'attire pas, où toi-même, le monsieur, même, tu ne le supportes pas. Et puis, tu rentres dedans. Oui, il continue de donner l'argent là, mais toi-même, tu es en train de mourir. Toi-même, tu es en train de tromper le monsieur là, matin, midi, soir, tu trompes le monsieur. Après, c'est pour dire que tu es une mauvaise femme. Tu n'es pas une mauvaise femme, c'est parce que tu n'as pas bien fait ton choix. Donc, ça veut dire que toi qui n'es pas encore arrivé à ce stade-là, il faut bien faire ton choix. Il faut bien faire ton choix. Il faut choisir un homme que tu aimes, même si tu ne l'aimes pas, qui t'attire. Un homme qui te plaît un peu. Oui, un homme avec qui vous avez la même vision. Parce que c'est ça. On me dira, oui, il faut choisir un homme avec qui vous avez un peu le même délire. C'est-à-dire que vous avez un peu la même passion, vous avez un peu les mêmes loisirs et tout. Ça, c'est pas important. Voilà, c'est pas important. C'est-à-dire que quand tu veux choisir un homme, c'est pas parce que l'homme, il aime le football que toi, forcément, tu vas aimer le football. C'est-à-dire que tu peux choisir un homme, il aime le football, toi, tu aimes autre chose. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est rien. Ça reste les détails. Mais ce qui est important, c'est la vision, c'est-à-dire que comment vous voyez les choses. Parce que tu ne peux pas te marier avec un homme qui, lui, n'a pas envie d'enfant, qui, lui, ne veut pas faire d'enfant, alors que toi, tu veux avoir des enfants. C'est-à-dire que toi, tu veux faire 3 enfants, tu veux faire 4 enfants. Mais lui, il te dit, il ne veut pas d'enfant. Et puis, bon, tu vas te marier avec lui. Bon, tu vas te marier avec lui, là, c'est pourquoi. Parce qu'après, ça va créer des problèmes. Puisque dès le départ, il t'a dit qu'il ne veut pas avoir des enfants. Et donc, toi, une femme, même quand tu sais que tu es avec un homme dès le départ qui te dit que lui n'a pas envie d'avoir des enfants, tu ne rentres pas dedans. Tu ne rentres pas dedans. C'est-à-dire que tu ne vas pas le marier. Parce que quand tu vas le marier là, demain, quand tu vas tomber enceinte là, c'est comme ça qu'il va t'abandonner. C'est comme ça qu'il va te laisser avec ta grossesse et puis il va rentrer en brousse. Tu vas dire, mon mari m'a laissé, j'étais enceinte de 2 mois, j'étais enceinte de 3 mois et puis il est parti. Mais dès le départ, il t'a dit qu'il ne voulait pas d'enfants. Tu as insisté, tu pensais que quoi, qu'il allait changer. Non. Qu'est-ce qui va le changer? Déjà, même dès le départ, il dit qu'il ne veut pas. Donc, si toi-même, tu sais que toi, tu veux que lui ne veut pas, vous faites quoi ensemble? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu veux aimer une personne, il faut que dès le départ, tu saches ce que la personne veut. Tu saches ce que la personne attend d'une relation. C'est-à-dire que quand tu parles avec la personne te dit un peu ce qu'elle attend d'une relation, ce qu'elle veut faire. Voilà. Tu es avec une personne qui, elle est fainéante. Elle n'est pas ambitieuse. Tu es avec un gars qui n'est pas ambitieux. Un gars qui, lui, aime la facilité. Un gars qui est tout le temps en train de te demander l'argent. Un gars qui est tout le temps en train de te demander des services. Un gars qui est toujours assis au quartier. Il est en tapette. Il est en train de parler de politique. Il est en train de parler des débats inutiles. Bon, un homme comme ça, alors que toi-même, tu es ambitieuse. Oh, je n'accepte pas les commentaires. J'accepte les commentaires, les bonnes critiques. Mais les commentaires où on m'insulte, je n'accepte pas. Voilà.
Je n'accepte pas. Donc, arrêtez de dire, il faut accepter les commentaires. Les commentaires d'injures, les commentaires impolis, je bloque. Mais les commentaires où la personne donne son avis, même si la personne n'est pas d'accord, là, je ne bloque pas. Je suis une personne civilisée. Je tiens à vous le dire. Voilà. Donc, c'est ça. Vous comprenez? Donc, une personne même qui... Tu es avec un homme qui... Toi, tu es ambitieuse. Toi, tu es ambitieuse. C'est-à-dire que tu as des rêves. Tu as envie de devenir ça. Tu as envie de faire ça. Mais le mec, tu es avec lui. Lui, en fait, il n'a pas de rêve. Le mec, il veut rien faire. À chaque fois, il est assis dans le quartier en train de causer. À chaque fois, il est assis là en train de boire. C'est-à-dire que lui, sa vie tourne autour des affairages. Il y a quel buzz aujourd'hui? Il y a quel clash aujourd'hui? Le mec, il est assis là, il veut rien foutre. Mais un homme comme ça, là, tu as fait quoi avec lui? Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, vous savez, quand on dit, faut prendre un homme, faut le façonner, parce que c'est la femme qui façonne l'homme. Mais l'homme, quand tu le veux le façonner, là, il faut que lui-même, il ait une base. La base, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que lui-même, il ait envie de réussir. Il faut que lui-même, il soit ambitieux. Voilà, c'est-à-dire que quand un homme même ambitieux... Ah oui, ça c'est sûr. Quand un homme ambitieux, en fait, ça fait que toi-même, tu le façonnes. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quelqu'un qui a envie, mais qui ne sait pas comment faire. Donc, toi, tu le boostes. Toi, la femme, tu le boostes. C'est ça. Mais un homme même qui, lui, veut rien foutre. Il ne veut rien foutre. Quand vous êtes ensemble, il n'y a rien qui sort de sa bouche. Quand vous êtes ensemble, il n'y a rien. Lui, c'est lever seulement. Amour seulement. Tu vas faire quoi avec un homme comme ça? Tu ne te maries pas avec un homme comme ça. Parce que quand tu seras dans ce foyer-là, tu vas souffrir. Quand tu seras dans ce foyer-là, tu vas souffrir. Ça veut dire que quand tu seras dans ce foyer-là, c'est toi qui vas beaucoup travailler pour t'occuper de lui. C'est toi qui vas beaucoup travailler pour gérer la maison. Parce que quand tu veux faire un enfant avec un monsieur, ça veut dire que quand tu veux te marier avec un homme, il faut que cet homme-là, il soit intelligent. Il faut que cet homme-là soit ambitieux. De telle sorte que tes enfants que tu vas mettre au monde-là vont être ambitieux. Parce que c'est ça. On ne fait pas enfant à n'importe qui. Tu ne vas pas le prendre un fainéant, un va-nu-pied, quelqu'un même qui n'a rien dans la tête. Et puis tu vas dire, je l'aime. Mais tu l'aimes, là, il va t'apporter quoi? Il va t'apporter quoi? Vous serez dans le mariage-là. Vous allez manger quoi? Amour. C'est amour, vous allez manger. Ah oh. Mm. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, quel que soit même l'amour que tu as pour une personne, c'est-à-dire que quel que soit l'amour que tu as pour un homme, mais quand cet homme-là, c'est-à-dire que quand cet homme n'est pas ambitieux, quand cet homme-là ne veut rien foutre, c'est-à-dire que l'amour-là, tu es dedans, mais quand vous mariez, là, ton amour va finir. Ton amour-là va finir. Parce que vous mangez amour seulement. On ne peut pas manger amour. Amour seulement manger, là, on ne peut pas. Donc, c'est ça. Donc, toi, une femme, même quand tu veux faire ton choix, fais ton choix par rapport à ce que l'homme, il fait. Fais ton choix par rapport à la pensée de la personne. Parce qu'un homme même, il doit être bosseur. Un homme qui est bosseur, cet homme-là, il fera un bon mari. C'est ça. Mais un homme qui n'est pas bosseur, il ne fera pas un bon mari. Un homme qui n'est pas bosseur, il serait un gros fainéant dans ta maison. Son ventre va devenir long comme ça. Ses fesses vont devenir pointues. Et puis, il est assis dans ta maison, il boit bière seulement. On fait rien ça. En 2020, là, on ne cherche pas un mari comme ça. Même s'il veut, il n'est qu'à être beau. Moi, c'est ça. Je dis, toi, une femme, même quand tu veux choisir un homme et c'est juste le physique qui t'intéresse, mais là, tu es mal barré. Là, tu es mal barré. C'est-à-dire que si c'est le physique que tu veux regarder pour choisir un homme, là, tu es mal barré. Parce que si c'est le physique, là, les paresseux, là, ils sont beaucoup beaux. Hein? Les paresseux, là, ils sont beaucoup beaux. Les lèvres roses, là, ils sont beaucoup paresseux. Les tablettes de chocolat, là, ils sont beaucoup paresseux. C'est-à-dire que dans le lot même de lèvres roses et puis tablettes de chocolat, là, en tout cas, quand tu pèses, là, il y a un peu seulement qui travaille. Mais tout le lot, là, c'est un peu des fainéants. Parce qu'ils comptent sur leurs tablettes. Ils comptent sur leurs lèvres roses. Voilà, on ne fait rien avec lèvres roses. On ne fait rien avec lèvres roses. Oui, tu as lèvres roses, mais il n'y a rien dedans. Tu as lèvres roses, mais tu ne veux pas travailler. Tu as lèvres roses, mais toi, tu es un rêveur. C'est-à-dire que toi, tu veux être toujours beau. Et puis, on n'a qu'à dire que tu es beau gosse. Il y a fait quoi un mari comme ça, là? Lèvres roses. Lèvres roses. Lèvres roses, même, souvent, tu regardes lèvres roses, là, c'est rose de loin. Mais quand tu t'approches, même, il y a les trois chats. Tu as fait quoi un lèvres roses? Ça, c'est toi, au temps de la préhistoire. Mais ça, c'est quand tu es au collège. À mon collège. C'est-à-dire, quand tu es au collège, tu es au lycée. Tu es tellement jeune que tu es sur le physique. Tu es sur l'apparence. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a lèvres roses, quelqu'un qui a les tablettes, tu dis, oh! Mon Dieu, si tu vois ses lèvres, mon chat, ses lèvres sont roses. Ah, si tu vois ses tablettes. Ça, c'est quand on est au collège et puis au lycée. Mais quand toi-même, tu as dépassé le collège, tu as dépassé le lycée, tu vas faire quoi, lèvres roses? Tu vas faire quoi, tablette de chocolat? C'est ça qui est quoi? Parce que c'est ça. C'est-à-dire que si toi, une femme même, c'est juste parce que tu veux choisir un homme juste parce qu'il sait trop s'habiller, ma chérie, tu es mal barré.
On ne choisit pas un homme parce qu'il sait s'habiller. On ne choisit pas un homme parce qu'il sent bon. On ne choisit pas un homme parce qu'il est beau. Il a lèvres roses, la tablette de chocolat. Non. On choisit un homme parce qu'il est bosseur. On choisit un homme parce qu'il est bosseur. On choisit un homme parce qu'il est ambitieux. Alors, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire que ce n'est pas tous les lèvres roses qui sont fainéants. Mais j'ai précisé, j'ai dit qu'ils ne sont pas tous pareils. Mais quand toi, une femme même, tu tombes sur lèvres roses, tu tombes sur tablette de chocolat, qui aime travailler là, mais tu dis Dieu merci, tu prends, au moins il a lèvres roses, il a tablette de chocolat et puis il travaille. C'est ça. Mais toi, tu es tombé sur lèvres roses et tablette de chocolat et puis il n'aime pas travailler. Quand tu lui dis va travailler, ah non, moi je ne peux pas faire ce boulot-là. Hein. Moi, je ne peux pas faire ce boulot-là. Ce boulot à la con, là. Quand tu me regardes, là, moi, je peux faire boulot comme ça. En tant que l'humain, il n'a pas de diplôme. C'est-à-dire qu'il a lèvres roses. Il a tablette de chocolat, mais il n'y a pas de diplôme dans lui. Mais c'est lui qui veut faire travail de ceux qui ont diplôme, là. Donc, c'est lui, c'est-à-dire qu'il choisit. C'est lui qui va dire, qui a dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a un saut métier. Moi, un beau gosse comme ça, il y a l'effet vigile. Moi, un joli garçon comme ça, il y a mes tablettes, il y a mes lèvres. Moi, il y a travailler là, jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il est assis, là. Il se réveille matin. C'est ses lèvres, là, il gomme comme ça. Garçon qui gomme lèvres dans la douche pendant 30 minutes. Tu vas faire quoi avec ça? Garçon même qui est ses sourcils, il est devant le miroir comme ça. Il fait ça. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vas faire ça? Il va t'emmener où? Quelqu'un même qui est en train de mettre salive sur son doigt pour passer sur sourcil. Quelqu'un même qui s'en va même faire sourcil et puis mettre comme ça, nyengen, nyengen, nyengen. C'est quoi? C'est eyeliner même qu'il lui faut maintenant pour qu'il tire ses yeux. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça, vous aussi? C'est-à-dire que sachez faire votre choix. Sachez faire votre choix. Tu vas te contenter de ça? Joli garçon qui ne se soucie que de son apparence. Joli garçon qui est là, il est auprès de toi, c'est vrai, il est auprès de toi, tu es très fier. Tu dis oui, on dit, oh, la fille là, yeah, elle a la chance d'être, tu as vu le gars de Christine même. Tu as vu le gars de Charlotte? Ouh, le mari de Charlotte. Il dit, va. Il dit, il est frère comme ça. Si tu le vois, il est beau. Ma chérie, on dit, il est beau, mais vous connaissez la souffrance qui est dedans. Il est beau comme ça, mais la souffrance qui est dedans. Façon un travail pour l'entretenir là. Façon un travail pour lui donner l'âme, pour que lèvres là soient encore plus roses, pour que tablette là soit encore plus tablette. Pas. Ne faites pas le choix comme ça. Vous allez regretter toute votre vie. Hein? Aujourd'hui, la lèvre rose même doit chercher son argent. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un lèvre rose même à l'argent. Quand lèvres roses même, c'est-à-dire que lui-même gagne son argent là. Ses lèvres sont encore plus roses. Ses tablettes sont encore plus tablettes. C'est-à-dire que quand tu caresses ça même, tu es content. Parce que ces tablettes même, ça sert à quelque chose. Mais tablette qui ne sert à rien. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Oui, il y en a qui me diront, bah écoute, moi j'ai un bon boulot. J'ai un bon boulot, alors je gagne bien ma vie. Et puis, mes parents sont riches, hein, donc... Moi, je peux prendre un homme qui n'a rien. Moi, j'assure, quoi. Il n'y a pas de souci. Ma chérie, même si tes parents ont l'argent, même si toi-même, ton travail, tu fais là, tu gagnes 20 millions par mois, tu n'as pas besoin de fainéants. Oui. Parce que même si tu gagnes des 20 millions là, garçon, tu avais tout là, il n'a qu'à au moins gagner 100 000. Il n'a qu'à gagner au moins 100 000. C'est-à-dire que dans la maison là, si tu veux, il faut prendre dépense là, 80%. Mais lui, là, il n'a qu'à prendre au moins 20%. C'est ça. Mais tu peux pas être dans un foyer, puis c'est toi qui prends 100%. Et puis lui, il est là, c'est juste, il est juste beau. Tu vas faire ça? Tu vas faire quoi avec ça? Oui. Toi, une femme même, c'est-à-dire que toi, une femme même, tu vas choisir un homme, tu vas choisir de te marier avec un homme juste parce qu'il sait Mougou. Juste parce qu'il sait Mougou. Juste parce que le Marocain, il te prend même, c'est-à-dire qu'il t'entend te Mougou comme ça, il peut faire moins 4-5 coups. Pourquoi? Pourquoi? Toi, c'est Mougouli, toi, tu as regardé pour choisir Marie. C'est Mougouli, toi, tu as rien pour choisir Marie. Ma chérie, tu n'as rien compris, là. Garçon même, c'est dit, garçon même qui va faire 3 coups, 4 coups, là. C'est accompagné de lui-même, il a son argent. Lui-même, il travaille. Quand un garçon travaille même là-même, ça dit qu'un garçon même, quand il travaille même, qu'il te prend même, il n'a même pas besoin de faire 4 coups. Un coup même là-même, c'est suffisant. Parce qu'il y a des coups et puis il y a des coups. Parce que dans l'affaire de Mougouli, là, c'est pas faire beaucoup de coups, là. C'est pas ce qui compte. C'est-à-dire que tu peux même faire un coup. Mais ton un coup que tu fais, là, c'est bien fait. Voilà. C'est très bien fait. Et puis la femme, elle est satisfaite. Toi-même, tu es satisfait, vous dormez. Mais quelqu'un même qui ne veut rien faire. Lui, en tout cas, ses lèvres sont tellement roses. Il a tellement de tablettes. Lui, il a endurance. C'est-à-dire qu'il te prend à 20 heures là. C'est à 3 heures du matin, il va te laisser. Tu finis même tes pieds là font grrr, comme ça.
Tes pieds font grrr comme ça, tu finis de dormir le lendemain. Tu reviens te lever à 6 heures du matin, aller travailler. Lui, il est en train de dormir. Il dort juste, il se lève à 13 heures, 14 heures. Il est assis dans la maison, il est beau comme ça. Et puis, il est assis dans la maison. Toi, tu t'es en travaillé, tu viens voir encore beau gosse. La nuit encore, il te moucou jusqu'à tes pieds là font grrr. Ma chérie, fais attention. Fais attention, ma chérie. Oui. Attends, il a bloqué ça, c'est un gigolo. Attendez, il a bloqué le gigolo là. Oui, c'est un gigolo. J'ai vu son profil. Il a une longue barbe pointue comme ça. Ça, c'est le profil même de gigolo, ça. Il entretient barbe là, frère. Il met le produit là. Ça brille comme ça. Toute la journée, lui, il entretient barbe. C'est lui qui est en train de m'insulter. Si ce n'est pas être un gigolo là, c'est moi, ce que je suis en train de dire là, c'est méchant. Ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Toi-même, tu as tes soeurs là. Tu peux accepter que tes soeurs se mettent avec un vaurien. Avec des vauriens, avec des hommes qui veulent rien foutre, qui sont là, qui se soucient seulement de leur apparence. Tu ne peux pas accepter ça. Donc, pourquoi tu veux que l'enfant de quelqu'un n'a qu'à accepter? Mon frère, on fait rien, là, on fait rien ça. On fait rien ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Et vous savez, toi, une femme, même si tu veux te marier, si c'est les 4 coups, 5 coups, tu veux regarder pour te marier, là, il faut te dire que toi, tu vas durer avec. Tu sais que tu vas passer toute ta vie avec un chômeur endurant, un chômeur de longue durée. Il faut que tu te dises ça. Parce qu'un homme même qui travaille, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, je dis un homme même qui travaille, c'est-à-dire qu'un homme même qui sort le matin, qui s'en va chercher son lin, qui rentre le soir, il va prendre sa femme. Mais vous pensez que cet homme-là, il va faire 10 coups à sa femme? Il va faire 3 coups à sa femme? Vous aussi. Vous aussi. Soyons logiques et puis soyons un peu raisonnables. Il n'y a que les vagabonds, les chômeurs là, ceux qui ne veulent rien faire, les lèvres roses là, tablettes de chocolat là, c'est eux seuls qui font ça. Parce qu'il ne fait rien. C'est-à-dire que la journée là, il dort. Lui, la journée là, il dort. Pendant que ses amis sont en train de travailler, lui, il est en train de dormir. Donc, un gars comme ça là, ma chérie, toi aussi, il te prend même à minuit là, même c'est à 5 heures, il te laisse. Il te mougou jusqu'à quand ça ne vient pas. Il ne fait rien. C'est-à-dire que lui, son travail là, c'est le mougouli de la nuit. Mais un homme même qui travaille là, lui, il ne peut pas faire 3 coups. Il ne peut pas faire 3 coups. Donc les femmes qui sont dans leur foyer, puis elles sont là. Oui, moi mon mari quand il me prend, on fait un seul coup et puis c'est fini. Et puis quoi? Vous faites un seul coup là, mais un seul coup il t'a fait là, c'est pas bon. Tu n'as pas pris ton pied. Si tu as pris ton pied, c'est fini. C'est le plus important. Tu veux 2 coups pourquoi? Quelqu'un qui a travaillé, qui est fatigué. C'est-à-dire que vous aimez tellement les chômeurs que vous trouvez toujours des excuses à 2 balles. Comment toi une femme même, tu peux dire oui mon mari, il ne me fait pas 3 coups, il ne me fait pas 4 coups. Toi, tu pensais que 3 coups, 4 coups, là, c'est ce qui est important. On est en train de chercher l'argent. Toi, tu es en train de parler de 3, 4 coups. Hein? C'est comme ça que tu vas te retrouver à les vanupiens. Hein? Ceux qui viennent m'insulter là. Lèvres roses là. Pas. On fait quoi, lèvres roses? On fait quoi, lèvres roses? Lèvres roses là même, on fait quoi, ça? C'est juste, c'est visuel. Lèvres roses là, c'est visuel. C'est-à-dire, quand tu regardes comme ça, c'est beau. Et puis, c'est tout. Et puis, lèvres roses même là même, c'est la nouvelle génération même qui est plus lèvres roses. Nous, mais à notre génération, là, nous, on aimait lèvres noires, mon cher. À notre génération, là, nous, c'est lèvres noires, on aimait. On fait quoi, lèvres roses? Lèvres noires, ça veut dire que lèvres la même, se lève tôt le matin pour aller travailler. Pas lèvres qui se lève le matin. C'est-à-dire que garçon même qui se lève le matin. Et puis, ça va travailler là. Il n'a pas le temps d'avoir lèvres roses. Pas le froid du matin, là, le sabbat. Ou bien, même si c'est en Afrique, là, le matin, vers les 4h, 5h, 6h du matin, quand un homme se réveille, là, c'est-à-dire qu'il y a un petit froid, façon, là, ça chicote un peu ses lèvres. Donc, ça noircit un peu ses lèvres. Mais, garçon, ses lèvres sont roses, roses, roses. C'est-à-dire que lui, il dort jusqu'à midi 13h. Parce qu'à midi 13h, il commence à faire un peu chaud. Donc, c'est ce qui fait que les lèvres deviennent encore plus rosées. On n'a qu'à faire quoi, ça? On n'a qu'à faire quoi, ça? Sachez faire votre choix. Sachez faire votre choix. Vous avez compris? Oui, sachez où vous partez. Parce qu'un mariage, là, c'est toute une vie. Un mariage, c'est toute une vie. Moi, je dis, toi, une femme, même quand tu es mariée, c'est pas bien que tu sois infidèle. Quand tu es une femme, tu es mariée, c'est pas bien que tu ailles voir ailleurs. C'est pas bon. Ça porte la poisse. Et donc, pour éviter l'infidélité, même dans ton mariage, là, il faut que tu saches faire ton choix. Il faut que tu saches avec qui tu vas te mettre. Parce que si c'est pour aller te mettre avec quelqu'un, ou toi-même, tu sais très bien que la personne, même, tu ne la supportes pas. Et puis tu vas aller te retrouver dans ce mariage-là. Le monsieur va aller te mettre une bague au doigt. Tu vas rester dans son foyer-là. Tous les jours, c'est toi qui découches. Tous les jours, c'est toi qui vas mourir dehors-là. C'est pas bon. Ça porte la poisse. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis infidélité-là, ça porte la poisse. Aller se mettre nu devant notre garçon-là, ça donne la poisse. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous avez compris? Je sais de quoi je vous parle. Poisse même qui est d'infidélité-là, vous ne pouvez pas comprendre. Poisse même qui est dans l'infidélité, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop fort.
C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu es ambitieuse, quand toi, une femme même, tu as envie de réussir, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de femmes. Il y a femmes et puis il y a femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas ambitieuses et il y a des femmes qui sont ambitieuses. Une femme qui n'est pas ambitieuse, elle se contente du peu. Ça veut dire que quand elle se retrouve dans un foyer où elle a un petit salaire, où son mari a un petit salaire, et enfin, ils arrivent à se débrouiller comme ça, ils sont vraiment limite. En fait, elle se dit, bon, moi, cette vie-là, ça me suffit. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Je peux faire ce que je veux. Mais une femme même qui est ambitieuse, elle peut se retrouver dans ce foyer-là et se dire, non, on ne va pas rester comme ça, on ne va pas rester coincé comme ça à la fin du mois où on s'est vraiment serré. Il faut qu'on essaye de faire d'autres choses pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent, pour qu'on puisse être à l'aise. Voilà. Mais une femme même qui pense comme ça, cette femme, elle ne se lèvera pas pour aller tromper son mari. Mais pourquoi est-ce que tu vas tromper ton mari? Parce que tu as fait le mauvais choix. Tu as fait le mauvais choix. Parce que tu es resté là à écouter ceux qui disent, mais un homme même si il t'a pas marié, faut pas, il va te mougou. Un homme si t'as pas marié, faut pas, il va te mougou. C'est ce que vous faites. Moi, je coach des milliers et des milliers de femmes qui sont mariées aujourd'hui, qui ont pris leur mari avant même le mariage, il n'y a même pas eu un mougouli, qui se sont mariées légalement. Mais ces femmes-là aujourd'hui, elles sont en train de souffrir. Ces femmes-là aujourd'hui, elles sont en train de souffrir. C'est-à-dire qu'une femme même qui est vierge, qui se marie à un homme même, où ils n'ont jamais eu de mougouli, qu'elle se retrouve dans le foyer, malgré qu'elle soit vierge, qu'elle n'est pas satisfaite là, elle pleure. Qu'elle n'est pas satisfaite là, elle souffre. À plus forte raison, une femme qui a connu mougouli, tu as connu mougouli, tu sais ce qu'on appelle jouissance. Maintenant, tu allais tomber sur un. On te dit non, faut pas mougou avec lui, hein. Faut rien faire avec lui, hein. Il n'a qu'à te marier d'abord. Tu vas finir, tu vas te retrouver dans ce mariage-là. Quand il est toi dans le lit, même là même, ça ne s'élève pas. Ça ne s'élève pas, ma chère. Eh. Tu fais tout ce que tu veux, ça ne s'élève pas. Tu fais tout ce que tu veux, c'est là. C'est couché. Ou même le gars, même quand il rentre, même là, ça ne touche pas ton bobo doumant. Ça ne touche rien. Bon, quand c'est petit au moins, qu'il sait un peu s'en servir, là, il peut rentrer dans les parois. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, un homme même, ce n'est pas la grosseur qui compte. Un homme, c'est la façon. C'est la façon de faire. C'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu sais t'y prendre, même si tu as kikinette, mais c'est-à-dire que tu ne vas pas tout droit. Tu vas dans les parois. Tu frappes dans les parois. C'est-à-dire que tu frottes comme ça dans les parois. Quand tu as des, c'est-à-dire que tu fais comme ça. Voilà. Voilà. C'est-à-dire tu vois, quand la danse comme ça, là, c'est-à-dire que tu es comme ça dans les parois. Voilà. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu as kikinette, tu es dans les parois comme ça. C'est-à-dire que tu zoukes. Oui. Tu zoukes, donc tu frottes dans les parois, tu frottes dans les parois, après tu vas ici. Voilà, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, la femme, elle sent. Mais un homme même qui a kikinette, et puis il ne sait pas mougou, il ne sait pas frapper dans les parois, rien du tout. Bon, il dit, il a été marié, et puis il ne te plaît pas, avant même il ne te plaît pas. Et puis bon, tu es allé, tu ne l'as jamais essayé. Vous partez vous marier, vous finissez de vous marier. L'une de noces là, même là. Il est couché là, même là. Il rentre même là. Tu dis, chérie, faut rentrer. Chérie, faut rentrer. Il dit, mais je suis rentré depuis. Tu es rentré depuis. Ah. Et puis tu es là comme ça, tu es couché comme ça. C'est-à-dire que tu as fait ta coiffure, ton chignon de mariage là, c'est déjà sur ta tête. Et puis tu es comme ça. C'est dans ça là que je suis venu me mettre. C'est dans ça là que je me suis mise. Regarde ce qu'il est en train de me faire. Il s'en rit. Hey, mon Dieu. Entends là, l'une de noces là. C'est-à-dire que c'est la période où on est heureuse. C'est-à-dire que c'est là même l'amour est doux. L'une de noces là. C'est là l'amour est doux. Mais toi-même, l'une de noces là, en même temps là, ton chagrin commence. Tes problèmes commencent. Peut-être tu as vu le vrai côté. C'est-à-dire que le gars, il t'a pressé comme ça de te marier. Il était pressé. Je vais te marier. Je vais te marier. Moi, je sais ce que je veux. Oui, moi, quand je veux d'une femme, je n'ai pas besoin de 6 mois. Je n'ai pas besoin d'un an. Je n'ai pas besoin de 2 ans. Tout de suite, je le sais. Il se lève, il va donner cola comme ça, boulou. Il se lève, il va donner l'un comme boulou. Il va soulever ses parents. Moi, il vous dit, un homme même qui est pressé de te marier, c'est un homme qui est très dangereux. C'est un homme là-bas, là, ça ne va pas. Moi, il vous dit, là-bas, là, ça ne va pas. Garçon qui est pressé même de se marier, là, ça veut dire que là, en bas, là-bas, là, c'est mort. En bas là-bas, là, c'est mort. On a qu'à se dire la vérité. Aïe. Mais est-ce que
quand Dieu a mis Adam, quand Dieu a mis Adam sur la terre là, et puis il a pris la côte d'Adam pour construire Ève là, et puis Ève est venue là. Est-ce qu'ils se sont mariés d'abord avant que Adam le mougousse? Le jour même, c'est-à-dire que le jour Dieu a créé Ève même, et puis Ève est descendue là, quand Adam l'a vue là, son cœur a commencé à faire pouka, pouka, pouka. Son bangala s'est levé. En tant lui-même, quand il était seul, Adam, il ne savait même pas même ce que c'était le bangala. Il avait le bangala, mais il ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'il se promenait nu comme ça, il ne savait même pas que le bangala, c'est un endroit où le goût même qui est là-bas, tu parles en langue. Tu as épilepsie, il ne connaît pas. Mais c'est quand Dieu a mis à Ève là, que quand il a vu Ève là, parce que Dieu a créé Ève même, c'est-à-dire que Dieu a pris le goût d'Adam là, c'est que Adam va voir et puis son cœur même va être mélangé là. C'est comme ça que Dieu a conçu Ève. Et puis il a déposé comme ça. Quand Adam a vu Ève à même temps, il a dit, yeah! Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps comme ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est attirante? Mais qu'est-ce qu'elle est? Et puis il a commencé, ils ont consommé. C'est-à-dire que quand Ève est venue à même temps là, Adam et Ève ont consommé. Ils ont consommé. Donc, pour consommer la zèque, quoi? Tosi. Il faut tester. Moi, je vous dis, mes chéris, testez. Testez toujours. Testez toujours. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de mougou, il n'y a pas de problème. Mais ta main, là, n'a qu'à toucher au milieu de paroles, là. Ça n'a qu'à toucher. Parce qu'un homme, même, quand tu loves avec lui, puis ça se lève, là. Quand tu touches, tu sais si c'est kikinette, si c'est normalo, ou bien si c'est anaconda. Tu le sais. Ou bien même si c'est muerto. Oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a kikinette, il y a normalo, il y a anaconda. Mais il y a aussi muerte. Voilà. Muerte, ça veut dire mourir. En espagnol, muerte. En espagnol ou en italien. Muerte. Muerte, ça veut dire rien ne se passe. Si tu veux même la même fauve, danser ma pouka sur lui. Si tu veux même faut porter la plus grande lingerie, il te regarde, ça se lève pas. Donc, quand toi-même tu sais ce que c'est, si toi-même tu touches là-bas, que vous levez un peu, tu touches, que tu vois que c'est muerte, tu ne veux pas. Tu as fait quoi muerte? Ah non! Mais si tu touches que c'est fitininini, ça veut dire que c'est kikinette, tu peux te dire, bon, là, tu peux choisir. C'est-à-dire que là, au moins, quand tu rentres dans le mariage, tu sais que tu as affaire à kikinette. Vous allez vous débrouiller avec kikinette là pour que tu aies ton plaisir. Enfin, je veux dire, il faut savoir dans quoi on se met. Quand tu veux rentrer quelque part, il faut savoir pour où tu rentres. Quand tu as envie de rentrer dans un village, il faut que tu saches un peu le kilométrage, un peu la superficie du village. Mais tu rentres dans un village, tu ne sais même pas il y a combien d'habitants. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu ne connais pas la politique du village. Tu dis, bon, je vais habiter dans le village. Mais tu ne vas pas suivre les règles. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des règles. Donc, c'est-à-dire que toi, une personne, même pour habiter dans un village, il faut que tu te renseignes un peu pour que tu saches un peu la superficie du village. Pour que tu saches les habitants, pour que tu saches un peu ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Et puis quand tu viens vivre là, tu t'adaptes, tu marches comme eux, tu fais comme eux, pour que tu sois une bonne citoyenne. Mais tu rentres dans un village, tu ne connais pas la superficie, tu ne connais pas le nombre de personnes, tu ne connais pas la largeur, tu ne connais pas la longueur. Tu rentres dedans, ma chérie. Quand toi-même tu es dans un foyer comme ça, là, tu deviens aigri. Tu deviens aigri, mais tu es aigri. Tu es gris. C'est-à-dire que quand tu vois deux personnes même en train de lever, en train de s'aimer, même tu es énervé, tu dis ceux-là même, ils disent quoi même. Ils aiment se faire remarquer comme ça. Oui, parce que tu ne connais pas ça. Parce que tu ne connais pas ça. C'est-à-dire que ce love-là, goût dans goût là, toi tu ne connais pas. Donc tu deviens aigri. Pour ne pas être aigri là, ma chérie, il faut savoir faire ton choix. Faut savoir où tu mets tes pieds. Toi, une femme, même quand tu as envie de faire ton choix, ne va pas choisir un homme que tu aimes plus qu'il t'aime. Ne va pas choisir un homme que tu aimes plus qu'il t'aime. Tu vas le regretter toute ta vie. Parce qu'un homme que toi tu aimes, que lui ne t'aime pas, dans ce foyer, tu vas souffrir. Dans ce foyer-là, tu vas mal souffrir parce qu'il ne va pas te respecter. Il ne va pas te considérer. Ça veut dire qu'il va poser des. Il va avoir des attitudes sans regret. Parce que moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous savez, quand tu te maries à un homme qui ne t'aime pas, que c'est toi qui l'aimes, cet homme-là, quand il est en train de se foutre de toi, là, quand tu es en train de pleurer, là, les pleurs, là, ça ne lui fait rien. Les pleurs, là, ça ne lui fait rien. Est-ce que vous me recevez même? Je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus. Oui, je ne vous vois plus. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Oui, je suis devenu philosophe. Non, ça, là, il ne bloque pas.
Faut laisser, il s'appelle comment? Hein, je ne dis même pas son nom, il a donné des points. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez? Les gens sont en train de signaler justement, mais je ne reçois même plus les gens. Est-ce que vous me recevez, les amours? Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Là, je ne vois plus rien, là. Je ne vois plus rien. Avant de commencer, avant de continuer, il faut que je sache que vous me recevez, les amours. Pour que je continue, sinon je ne vais pas continuer. Est-ce que vous me recevez, mes amours? On dirait qu'il y a un problème, hein? On est là, maman. Mais est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, mettez des cœurs. Ou bien mettez, on te reçoit. 5 sur 5 depuis le camer, à fond, d'accord. D'accord, vous me recevez, d'accord. C'est ça, ça veut dire que toi, une femme même, tu ne vas pas le choisir un homme. Tu choisis un homme et puis tu dis oui. Bah, c'est vrai que bon, il ne m'aime pas, mais moi je l'aime. Voilà, c'est ça le plus important. Moi je l'aime. Ma chérie, tu vas souffrir dans ton foyer. Parce que les hommes qui sont en train de vous dire que une femme dans son foyer là, c'est elle qui doit aimer son mari plus que l'homme là. Ils sont en train de mentir, en fait c'est les machos. On les appelle les machos. C'est-à-dire que c'est des personnes qui aiment faire souffrir les femmes. Et donc, ils aiment avoir le contrôle sur les femmes. Et donc, ils préfèrent être avec des femmes qui les aiment plus qu'eux, ils les aiment. Pour mieux les maltraiter. C'est ça. Sinon, un homme là, dans ton foyer là, ton mari là, il doit t'aimer plus que toi, tu l'aimes. Il doit t'aimer plus que toi, tu l'aimes. Oui. Est-ce que vous me recevez? Ok. Parce que si il ne t'aime pas là, c'est-à-dire dans le foyer là, il va faire quoi? Il va rester indifférent à tout ce que tu fais. Il va rester indifférent à tout ce que tu ressens. Et en fait, toi, tu vas rester dans la relation, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais lui, ça ne va pas lui faire mal. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous ne me croyez pas. Je dis, vous savez, un homme, quand il ne t'aime pas, c'est-à-dire que quand tu te maries à un homme qui ne t'aime pas, mais c'est-à-dire que cet homme-là, quand il est en train de te faire souffrir là, toi, la femme, si tu veux, faut déléguer tout le village. Il faut déléguer toute sa famille pour essayer de le raisonner. Ça ne va rien changer. Oui. En fait, il ne va pas... Il va même pas regretter parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'en fait, comme il ne t'aime pas, quand tu as mal, il n'en a rien à foutre. Oui, il n'en a rien à foutre. Mais alors qu'un homme qui t'aime, il ne peut pas te faire souffrir. Il ne peut pas te voir souffrir parce qu'il t'aime. Il n'a pas envie de te voir triste. C'est ça. Voilà pourquoi, c'est pour ça qu'on dit... Dans ton foyer, ton homme doit t'aimer plus que toi, tu l'aimes. Mais quand on dit, ton homme doit t'aimer plus que toi, tu l'aimes, ça ne veut pas dire que va prendre un homme qui t'aime à la folie et que toi, tu ne supportes pas. Non, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu rentres dans ça, ça veut dire que tu es une femme qui ne veut rien foutre. Une femme qui ne veut rien foutre, une femme qui ne veut pas travailler, une femme qui ne veut pas être indépendante, c'est elle qui va rentrer dans un tel foyer où elle se dit, bon, le mec... C'est lui qui va s'occuper de moi. C'est lui qui va me donner l'argent. Attends, j'ai bloqué ça. Voilà. Merci mes amours. Je bloque ça. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Donc ça veut dire que toi une femme même, quand tu es dans un foyer, quand tu es dans un mariage et que cet homme-là, il ne t'aime pas, tu vas penser qu'il est méchant. Tu vas penser qu'il est mauvais, mais il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. C'est parce que tu as trop écouté ton cœur. Tu as passé ton temps à écouter ton cœur. Moi, c'est ce que j'ai dit aux femmes. J'ai dit, faites attention. Arrêtez d'écouter tout le temps votre cœur. Parce que le cœur, il trahit. Le cœur, il trahit. C'est-à-dire que quand tu écoutes ton cœur, là, quand ton cœur te dit, il faut le choisir. Ton cœur bat pour lui. Tu l'aimes, il faut le choisir. Et puis, tu le choisis là. C'est toi qui subis dans ton foyer. C'est toi qui es malheureuse dans ton foyer. Tu as mal dans ton foyer. Parce que tout ce qu'il te fait, ça te fait mal. Sa façon de t'ignorer, ça te fait mal. Parce que c'est toi qui l'aimes plus. Donc, c'est ça. Donc, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « Choisissez les hommes que vous aimez à la folie. » Non. Un homme que tu aimes à la folie, s'il t'aime à la folie, c'est-à-dire que si l'amour est réciproque, c'est bien. Vous mariez. C'est-à-dire que vous, toi, tu as la chance. C'est-à-dire que tu es avec un homme que tu aimes à la folie, qui lui aussi t'aime à la folie. Vous vivez votre amour. Mais on ne peut pas te dire « Choisis un homme que toi, tu aimes à la folie, mais qui lui n'a rien à foutre de toi. » Qui lui te maltraite, qui lui ne s'occupe même pas de toi, t'ignore. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est-à-dire que toi, une femme même, ne te dit pas que oui, bon, le plus important, on est marié. Non.
C'est ça. Lui, je ne le bloque pas. Il n'a rien dit de méchant. Toi, une femme, tu ne dois pas te dire que le plus important, on est marié. Non. Le mariage, là, ce n'est pas une fatalité. Le mariage, enfin, je veux dire, ce n'est pas parce que toi, une femme, tu es mariée à un homme, tu portes son nom, que tu vas penser que, bon, le reste, tu t'en fous. Tu peux gérer le plus important. Vous êtes marié. Non. Le mariage, qu'est-ce qui rend le mariage intéressant? C'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que l'entretien, le respect, la considération, c'est tout ça là qui fait que le mariage, là, ça devient doux. Le mariage, ça devient bon. Sinon, c'est pas porter l'alliance seulement. Alliance, là, c'est rien. Parce que si tu portes une alliance, que toi-même dans ton foyer, tu n'es pas considéré. Toi-même dans ton foyer, tu es maltraité. Donc, l'alliance que tu es en train de porter, là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Voilà. Donc, mes chéris, sachez faire votre choix. Vous n'êtes pas en concurrence avec qui que ce soit. Prenez votre temps et choisissez la bonne personne. Ne choisissez pas le premier venu. Ne tombez pas sur le premier venu, non. Et puis, quand vous avez les prétendants, c'est-à-dire que quand vous avez des hommes dans votre vie, c'est pas celui qui fait beaucoup de bruit là qui est le bon. Parce qu'en général, celui qui fait beaucoup de bruit là, c'est lui-même qui est le faux. C'est-à-dire que celui qui vient et puis tout de suite, il commence à se faire remarquer. Il commence à te montrer qu'il t'aime trop. Il commence à te montrer qu'il a trop envie d'être avec toi. En général, là, c'est lui le faux. Parce que le bon, là, lui, il ne fait pas trop de bruit. C'est-à-dire que le bon, là, quand il vient, là, il est calme. Il ne parle pas trop. Lui, il agit. Mais un homme qui parle trop et puis il n'agit pas, là, c'est lui le plus dangereux. Mais nous, les femmes, malheureusement, c'est celui qui parle, là, qu'on écoute. C'est celui qui parle là qu'on aime. C'est-à-dire que celui qui va venir s'asseoir pour dire, ben, franchement, je t'aime tellement. Mais tu es la meilleure. Mais tu es la femme que j'ai toujours rêvé avoir. Mais voilà ça, voilà ça. Voilà. C'est-à-dire les garçons marabouts là. Les garçons marabouts, parce qu'il y a des garçons comme ça. C'est des marabouts. Eux, ils parlent beaucoup. C'est-à-dire que quand ils viennent comme ça, quand ils sont avec toi là, leur bouche là, blablabla, ça parle. Je t'aime, tu sais, j'ai la chance d'être avec toi. Tu sais, tu es tellement magnifique. Tu sais, tant. Mais il te dit ça là, tu es contente, mais il n'y a rien qui suit après. Ça veut dire que dans ses attitudes là, ça ne concorde pas. C'est-à-dire que sa façon de se comporter, ça ne va pas avec ce qui fait sortir de sa bouche pour te dire il t'aime. Donc toi, une femme, même si c'est ce que tu veux regarder là, tu vas faire un mauvais choix. Mais celui qui va venir, qui va rester calme, qui ne va pas faire trop de bruit, c'est lui le bon, généralement. Mais celui qui vient, qui ne fait pas trop de bruit, là, en général, nous les femmes, là, on dit, oh, celui-là, pardon, il me donne la paresse. Lui, là, il me donne la paresse. Oh, pardon, moi, je préfère l'autre, là. L'autre, là, il est plus chic, il est plus intéressant. Il me prend, on va en boîte, il me prend, on va dans les bars, on fait le show et tout. Donc, c'est lui que j'aime. Ma chérie, ce qu'il est en train de faire, le show qu'il est en train de faire, il t'envoie dans les bars, dans les boîtes, là. Ça, là, c'est juste pour un petit moment. C'est pour un petit moment. Je ne vous reçois pas. Je ne vous reçois pas, mais je parle quand même dans le vide. Voilà, je vois plus vos messages, je vois plus vos cœurs, je vois plus vos likes. Mais je parle quand même. Je ne sais pas si la vidéo continue ou bien ça a été coupé, mais je parle quand même. Donc, c'est ça. Donc, toi, une femme même, ce n'est pas un marabout que tu dois écouter. Ce n'est pas un marabout que tu dois suivre. Il faut laisser le marabout. Oui, il faut laisser le marabout. On ne fait rien à un marabout. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, vous les filles d'aujourd'hui, là, regardez plutôt les actes. Voilà. Parce que dans Donna Benja, là, ou bien dans les dessins animés, ou dans la Reine des Neiges, ou quoi, là, en fait, dessins animés, ou même la princesse, quoi, les dessins animés, là. C'est vrai que les femmes sont expressives, les garçons sont très expressifs. Mais ça, c'est des scénarios. C'est des films. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, un homme n'a pas besoin de beaucoup parler. Un homme, il a besoin d'agir. Voilà. Un homme, il a besoin d'agir. C'est un homme qui agit que tu regardes. Un plaisantin, tu ne le regardes pas. Un homme même qui vient juste pour te montrer qu'il est beau, pour te montrer qu'il sent bon. On ne fait rien ça. Vous avez compris? Un homme qui vient te dire beaucoup de paroles, on ne fait rien ça. Parce que toi, une femme, même quand c'est beaucoup de paroles, tu écoutes, là, tu t'en vas te coucher en bas de lui. Et puis, tu regrettes toute ta vie. Ne voyez pas la vie comme ça aujourd'hui. Toi, une femme même, ce que tu dois faire. Vous savez, moi, je dis, il faut qu'on éduque nos filles aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on éduque nos filles. Je ne vous reçois pas, hein, mais je parle quand même. Les gens sont tellement en train de signaler que je ne vous reçois pas. Les gigolos sont en train de signaler. Les faux types là sont en train de signaler, donc je ne vous reçois plus. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, alors, qu'est-ce que je voulais dire?
Et en plus, ce que je voulais dire était tellement intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, vous savez, on doit éduquer nos filles aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit emmener nos filles. On te reçoit, d'accord. On doit emmener nos filles aujourd'hui à être indépendantes. C'est très important, vous savez. Aujourd'hui, une femme qui est indépendante, elle a un choix. Elle a le choix. Une femme qui est indépendante, elle fait son choix. Elle choisit l'homme qui lui plaît. Elle choisit l'homme qui l'attire. Elle choisit l'homme qu'elle aime. Enfin, les trois conditions. C'est important. Donc aujourd'hui, on doit enseigner à nos filles de travailler, d'être indépendantes, de chercher à être indépendantes. Parce que toi, une femme, même quand tu as la base, c'est-à-dire que quand tu as ton argent, quand tu cherches ton argent, tu choisis l'homme qui te plaît. Et l'homme qui te plaît, tu ne choisis pas un va-nu-pied. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, tu ne peux pas toi-même travailler, toi-même être indépendante et aller te mettre avec un va-nu-pied. Parce que si tu te mets avec un va-nu-pied, il va te tirer vers le bas. Lui te tire en arrière parce qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que toi, tu es en haut, lui, il est au sous-sol. C'est pas bon. Donc toi, une femme même, tu dois chercher à être indépendante. Ne soyez plus dans cette mentalité de « oui, je ne veux rien faire. Comme je suis belle, je vais tomber sur un homme riche, il va me marier, je serai heureuse. » Non. Ça là, c'était avant. Ça là, c'était la mentalité d'avant. Aujourd'hui, là, toi, une femme, tu dois chercher ton argent pour être indépendante, pour bien faire ton choix, pour être heureuse, parce que tu mérites d'être heureuse. Tu mérites de te sentir bien dans ton foyer. Tu n'as pas le droit de te retrouver dans un foyer où c'est toi qui tends la main, où tu es dépendante et tu es dans le foyer, tu te meurs à petit feu. Et même malgré ça, non seulement tu n'aimes pas, et c'est toi qu'on va maltraiter dans le foyer parce que tu n'as rien, parce que tu n'as rien, tu es dépendante. Non, aujourd'hui là, les jeunes filles, mes jeunes sœurs, cherchez votre travail. Allez à l'école. Allez à l'école. Suivez vos formations. De telle sorte que vous ayez un diplôme. De telle sorte que vous ayez votre formation pour travailler, pour être indépendante, pour bien faire votre choix. Vous comprenez? Vos amis, vos sœurs qui sont indépendantes, qui ont leur argent, aujourd'hui elles vivent heureuses parce qu'elles font leur choix. Elles arrivent à faire un choix. Même si ça ne marche pas, mais au moins elles ont fait un choix. Au moins elles sont heureuses. Elles ressentent de l'oxygène en elles. Mais quand tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que quand tu n'as rien, tu ne fais rien et tu comptes sur un homme, parfois tu ne fais pas un choix. Tu es obligé de te mettre avec un homme que tu n'aimes pas, un homme que tu ne supportes pas. Il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de plus... C'est-à-dire, ce qui donne même la nausée, c'est-à-dire quand tu as une femme, puis l'homme même avec qui tu es, tu ne le supportes pas, il ne t'attire pas. Il ne te plaît même pas. C'est-à-dire que quand il prend sa main comme ça et puis il pose sur toi là, c'est-à-dire que tu as mal. On dirait qu'ils sont en train de te salir. Ça fait mal. Et puis c'est bizarre. C'est-à-dire que toi, une personne même, toi, une femme même, si tu continues, tu vis comme ça toute ta vie, tu ne vas pas vivre, tu vas traverser la vie. Parce que tu vas être avec un homme qui, même quand il te touche, ça te fait mal. Quand il te touche, tu es dégoûté. Pour éviter tout ça là, il faut chercher ton lin. Il faut chercher ton lin. Mes soeurs, qui tombent dans la facilité. Cherchons notre argent et puis celui qui vient là, il va compléter. C'est ça. C'est-à-dire que tu as la base là, c'est toi-même ton argent. Et puis celui qui vient là, il complète, il est complémentaire. C'est ça. Mais ne te dis pas que moi, je n'ai rien. J'attends garçon pour me donner tout, pour me donner avion, pour me donner voiture, pour me donner ça. Non. Si c'est comme ça, tu vois les choses, si c'est comme ça, tu réfléchis, tu vas te mettre avec un homme que tu n'aimes pas, un homme que tu ne supportes pas. Et tu vas rester, tu vas souffrir dans la relation. Et tu vas devenir une femme très infidèle. Il faut éviter ça. Vous avez compris, mes soeurs? Changeons de mentalité aujourd'hui. J'ai fini de vous parler. J'ai fini de vous parler. Pour tous ceux qui veulent me contacter pour commander mes produits, le kit minceur, pour perdre du poids, pour être bien, merci de me contacter au 00 337 55 13. 13 88 85, je répète, le 00 337 55 13 88 85. Ça, c'est mon numéro pour tous ceux qui veulent me joindre pour commander leurs produits et tout. Je ne vous reçois pas, je ne vois rien. Ils sont en train de me signaler, mais je vous fais de gros bisous. Gros bisous, prenez soin de vous. Oui, c'est la coche choco, c'est la coche champagne, c'est la coche caviar, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quelle MP, Père pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, oh, elle n'est pas dans les ha, ha. Oui, j'ai oublié. Il y a des gens qui m'ont fait des mandats. RIA, Western Union, MoneyGram, avant
avant la pandémie, avant coronavirus, pendant même coronavirus, qui ont commandé des produits que j'ai déjà expédiés, mais je n'ai pas pu retirer l'argent parce que j'étais beaucoup prise. Aujourd'hui, je suis allée retirer l'argent là. Je ne peux pas retirer parce qu'il y a des mandats qui ont été annulés. Et puis, il y a des personnes qui se sont trompées de nom. Donc, contactez-moi pour me donner mon lien. Voilà. Là, il y a mis le message hier. Je vous attends pour... Il y a 3 personnes derrière qui se sont signalées. Le reste là, contactez-moi, vous allez me donner mon lien. Il y a besoin de mon lien. Voilà, c'est quoi ça y est. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.